Égalité. Aujourd'hui, les jeunes ils sont perdus à cause de nous. Qui arabe, qui musulman, n'oublie pas tout du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne pourra pas éduquer nos enfants comme ça. On éduque avec la base, on n'oublie jamais d'où on vient. On prend la pratique personnellement, on apprend à nos enfants et aussi on apprend les valeurs du pays où on vit, les valeurs républicaines, les valeurs de laïcité, les valeurs de respect. On doit vivre tous ensemble, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit juif, que ce soit athée. On est tous ensemble, on est tous des frères et des sœurs. Il ne faut pas baisser les bras, monsieur. Il faut ouvrir ses idées, il faut lui exciter, il faut donner la chance à cette jeunesse, aux parents, et qui peuvent avoir la chance comme les autres, et qui peuvent y aller dans les écoles mieux comme les autres, que voilà, c'est de ne pas les laisser enfermer. Vous savez, quand on enferme un jeune ici, toute la journée, s'il n'a pas réussi dans l'école, qu'est-ce qu'il fera? Et il va devenir un délinquant, il va devenir dangereux, ils peuvent se tuer, il y en a qui se suicident parce qu'ils ne réussissent pas, il y en a qui sont dans la rue. Voilà, je pense qu'il faut tourner la main parce que cette jeunesse, c'est l'avenir. Allons enfants de la